Salut Winnie! Sache que Barba nous a pris en otage, il voulait pas lancer sans toi. Donc là, c'est bon, on va pouvoir. Oula. Je sais même plus ce que c'est. Weakness? Ok, donc c'est un caster, c'est un hérétique. Oh, oh, oh la belle spé! Attends, on a des 1-1-1 ou pas? Il n'y a pas de 1-1-1, on est d'accord. Je demande. Je crois pas, a priori. Bon, on va dire non parce que sinon on va perdre 8 minutes. On a déjà plus que 7 minutes 30, donc là faut qu'on se manie. Ouais, c'est bon, ok. Donc, oh, 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 la tête homme, je regarde même pas le reste. La tête homme. Attends. Non mais c'est bon, y a pas de choix là frérot. Là y a juste pas de choix en fait. C'est rien de tout pick up mais bon. C'est pour vos petites oreilles. Vous me remercierez plus tard. Ok, on peut empêcher les sorts de niveau 1 à 2. Ou sinon se mettre 10% de chance de résist. En plus du 15% de chance de résist. Ça me rappelle un duel premium qui s'est très mal passé ça. Ok. Non mais là c'est... Ah je vous ai dit hein, que c'était pas forcément que au skill que ça allait se décider. Ensuite c'est tipar pour les unités tier 1. Ok bon pour le coup on a vraiment pas des bonnes unités. On va certainement prendre les piquiers. Sinon il y a les centaures mais ils sont quand même... beaucoup moins résistants, les centaures pas upgrade valent clairement pas ce upgrade. Enfin, en gros, ils ont que 6 de speed, eux ils ont 5 pour beaucoup plus de stats. Donc, je pense qu'on va clairement go piquer. J'hésitais entre ça et paysan, MDR. Alors, ok, les nains ça peut être très très fort. Harpie c'est pas mal du tout. Sinon, on a du shooter, mais je pense qu'on va se faire des troupes tanky bien robustes, bien vénères avec nain plus dwarf. Pardon, lancier plus dwarf. Je pense qu'on va faire ça. Salut Gears! Ça va ou quoi? Ok, bon, le moral qui commence à puer la merde. Bon, je pense que les Sea Dogs n'étant pas des tiers 3 mais des tiers 4, on va prendre les Sea Dogs. Pas trop de réflexion là-dessus. Ok, alors. Bon, là, déjà au niveau moral, on commence à déjà plus être très très bien. On a château, rempart. Cove. Là, on n'a aucun de ces trois, sauf si je prends Pégase non upgrade. Et je vous avoue que le non upgrade. Aïe 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 aïe. Les archimages, ils nous font moins de coups en mana sur nos spells, ce qui peut être pas mal. Ah, aussi, je veux des unités vivantes. J'ai Elixir of Life, très important. Ne pas prendre les vampires si t'as Elixir of Life, ils vont pas profiter du bonus. Les démons, par contre, eux, ils vont bien en profiter. Les golems n'en profiteront pas. Donc, soit démon, soit archimage, je pense. Ah, c'est vrai qu'avec Elixir of Life... Ouais, non, non, non. Ça va pas... Non, ça change pas mes choix, en réalité. Bon, je pense qu'on va dire F, le moral, et puis on va... Archimage ou démon cornu. Je m'aide pas du chat, hein. Pour le coup, je fais mes propres choix. Je regarde que une fois que j'ai fait mes choix. On a déjà un shooter, on a deux mêlées. Donc les deux font vraiment du sens parce qu'en plus les démons, ils vont à peu près à la même speed que ces deux-là. Ah oui, ils se déplacent pas à 5, ils se déplacent à 4, je suis en ouf. Je pense qu'on va faire des troupes tanky en mêlée, sa race. On a des très bonnes stats physiques, on va rush. On va juste push comme des ouf. Petite prédit rapide. Ah, bien vu, Bal, merci. Très très bien vu. Non, avec les artés de résiste, c'est vrai. 50k? Il y avait des prédits à 50k là? Ah ouais. Je suis mort. Vas-y, vamos. 3 minutes 30. Ok, je pense que c'est clairement génie. Dommage du coup de pas avoir eu l'info, parce que j'aurais pris les archimages. Bon, je crois qu'on va partir sur moins 3 de morale, hein.
Ou alors, bah non, mais forteresse, ça change rien. Ouais, je pense qu'on va go Gorgone du coup plutôt. Hop, bon, Nyx avec des stats de ouf et Elixir of Life, ça peut être insane. Ça, c'est. Je pense que c'est le meilleur, sauf que ça ne bénéficie pas d'Elixir of Life. Et donc, on va se prendre ça. Alors, est-ce qu'on a de l'archange? Non, on a de l'ange. On a Aspid qui est excellentissime, dragon noir. En fait, ce qu'il y a, c'est que. Ah, on est déjà à moins 3 moral. Ah oui, d'accord. Si je prends 1, je remonte à moins 2, ce qui fait une belle diff. Là, ça se joue entre les deux. Le truc, c'est que si je trouve leadership, leadership me donne plus 3. Donc, je passerai de moins 3 à 0 si je prends Aspid, parce que j'ai déjà un cove. Par contre, lui, il me passe à moins 4, en vrai. Alors, tu peux pas passer à moins 4. Mais du coup, en vrai, je serai à moins 3, mais effectivement moins 4. Donc, si je passe à plus 3 avec le leadership, je passerai quand même à moins 1 avec les Black Dragons. Et les Aspid, c'est quand même très, très vénère. Mais les dragons aussi, c'est vrai que immunité à la magie sur ce template, c'est fort. Ça me donne une meilleure speed prio, mais je pense qu'on s'en fout. On va jouer vraiment bourrin. Hein. T'as juste à passer ton tour. Enfin, bon, ouais, il a mieux de stream. Hein. Alors. 6 spell po, 6 knowledge. Ok, on a eu. Orbe de terre, donc magie de la terre, je suis grave chaud. On veut la magie de l'air aussi. Hein. Offense, on va jouer. Barbare d'ouf. Ah merde, attends, on avait le tome de feu. Ouais, putain, j'ai déconné. Ok, c'est bien. Tactique, ça va pas être très important. Ok, bon, et en dernier, on va avoir un truc rang 2. On n'a pas le tome d'eau. Franchement, Magie de l'eau ne m'enthousiasme pas parce qu'on pourra pas l'avoir expert. Donc, autant voir ça. Ok, on se chope quoi comme spell? On a résurrection. C'est pas le meilleur des trucs, mais ok, on a Earth Elemental. Alors, on a Prayer, mais bon. On va passer par le puits après. On n'a pas trouvé un plot, on a de la lenteur. Du coup, est-ce qu'on veut garder notre cap ou pas? Attends, on passe, on prend ces trucs-là, il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'on veut la cape qui empêche les sorts 1 à 2? On a blind, hein. Ça peut être super fort. Le truc, c'est qu'on a Berserk, Armageddon. J'avoue, on peut faire des énormes spells. Et lui, nous empêcher justement de... L'empêcher justement de nous slow et blind avec ça, ça me paraît... Ça me paraît cohérent. Donc on met fin au tour. Et c'est Tipar. On va voir les cartes de stats. Oh, il a des très très bonnes stats aussi, hein. Oh, il a eu les archanges. Il a moins 1 moral. Je suis à 0 du coup. Vous voyez le calcul avec le la speed. Si j'avais pris le dragon noir, là j'aurais eu moins 1 moral. Alors, il n'a pas d'élixir of life. Ah oui, c'est vrai que... Certes, il a 18-10, j'ai 13-19. Donc alors moi j'ai 32, lui il a 28. Donc déjà j'ai un avantage. Mais en plus j'ai plus 25% de vie, plus 4 quoi. Ouais, le timer, ouais. Un peu relou. Qui est le dingue qui a mis 40k et qui se dénonce. Bah déjà ça peut pas être n'importe qui, hein, parce que pas n'importe qui n'a 40k sur la chaîne. Il a fait une chain. 780. Moi, ma plume météore fait 1125 parce qu'on a l'orbe d'air. Ah, il a mis deux golems là, donc je peux pas Berserk 4. Sinon, là, vous voyez, j'aurais Berserk 4 unités. Mais je pense qu'on va quand même le faire. Hein. Je pense que c'est juste beaucoup trop puissant. Juste à voir, ça fait combien? 112, 4 et 12. Mais je pense que Berserk, c'est juste injouable sur ce template. Enfin, genre invincible. Je pense qu'on fait ça et qu'on rush ses shooters. Ouais. Voilà. Bien joué à moi. Ah, c'est de l'ultra-violence, hein, ce template. Hein. Salut, Armand. C'est empêcher de cast les sorts de niveau 1 à 2. Enfin, les sorts de niveau 1 et 2, plutôt, du coup. Il y a la Recounter Cloak qui existe aussi, qui empêche les sorts de niveau 3 et plus. Et le mien, c'est de niveau 1 et 2. Alors, soit on tire sur les archanges,
Sans tir sur les shooters avant qu'ils shootent. Je pense qu'on tire sur les shooters. Bon, d'accord. Bon, ça va être un carnage, le pauvre. Ah, c'est la roulette russe, instant plate. J'aurais été à sa place, j'aurais rien pu faire non plus. Hein. Après, tu peux quand même influencer, c'est vrai, mais ça reste un des templates où tu peux le moins influencer le jeu ever, quoi. Oh, ils peuvent rien reach. C'est vrai que j'ai pas replacé mes unités. Enfin, si, j'ai replacé les Sea Dogs, mais bon. Bon, c'est parti, on rush. Hein. Je crois qu'il faut vraiment juste aller le plus vite possible. Il a déjà mangé la riposte. Hop. Bon, voilà, du coup, il a déjà perdu 10 archanges juste avec le berserk. Et 400 centaures. Et les trois n'ont pas joué, quoi. Donc ça a créé un différentiel absolument astronomique. Bah déjà, son archange n'est plus en power stack. En vrai, 10, c'est vraiment peu. En vrai, je vous promets, on chain berserk. Hein. Est-ce qu'on n'a pas un meilleur play? Ça, on peut pas. Voilà, tu vois, ça, c'est ma cap. Cap of Silence. C'est un no match. Oui, désolé, Borba. Dès que tu veux, tu dis GG, frérot, si t'en as marre. Je comprends, y a pas de souci. On peut faire un petit téléport. Ok. C'est au BO3, BO3. Bon bah du coup un 0, c'est allé plutôt vite. Merde, non j'ai fait un ranked. Pas de sorte de contrôle et tu es avec Siren Flash, etc. Ah non mais c'était, oui. C'est ce qu'on se disait en live, t'inquiète, t'avais aucune chance, Barba. J'ai dit, à sa place, j'aurais eu aussi aucune chance. Combien de rounds comment ça, bah, là, c'était le premier round, là. Salut, X6. Là, c'était le premier round. Donc, 1-0 pour moi. Après, j'avais aussi un héros de merde, gros. Hein. T'avais Eagle Eye, mais moi, j'avais faiblesse. Crois-moi que je compte pas cast faiblesse. Donc, on avait exactement le même héros, en réalité. Ça fait longtemps que t'es pas venu, X6. Fait un petit bout de temps, ça fait depuis... Bah, attends, j'ai mis un message sur mon Discord de quand c'était. C'était annonce, c'était le 6 février. Non mais après dans les compétences tu récupères Luck. Comment ça dans les compétences tu... Eagle. Ah ils ont first aid facilement. Bah pas plus qu'un autre hein, je pense. Hein. Mais vas-y ouais. T'inquiète, Barba, c'est pas fini, hein, parce que je te vois... Barba, c'est juste 1-0, mais c'est un BO3, donc en gros, c'est le premier à 2 points qui gagne bah, le round, quoi, en gros. Enfin non, justement, la rencontre. Vous trouvez comment le timer, les gars? Bah, en tant que streamer, c'est vraiment temps d'axe, mais après, bon. Tout le monde n'est pas un streamer, donc je comprends vraiment très bien que ce soit assez court pour les gens qui, sinon, s'ennuieraient, quoi. Inverse les couleurs. Ok. Pas de soucis. Perdu, je dis juste que j'avais. Allez, c'est parti. Vas-y. Vamos. Alors, bah, si tu GG ça, tu me fais gagner 45 points de chaîne. 45k. Ah, bah, on a encore un héros useless. First aid. Aussi useless. C'est juste en gros j'ai un sorcier, il a un melee quoi. On a eu un plus un luck là, bon. À voir. Allez. Bon là c'est beau sauf que c'est les mêmes. Ça, ça fait plus 8 déjà. Ça, ça fait plus 7. On a le casque, les deux pour être full mana. On a SOJ
Et l'arc. Ah, on pourrait jouer l'arc avec les Gremlins. En plus, on a l'élixir pour les rendre un peu tanky. Ça peut être intéressant comme, comme strat. Oh! Ah, mais non, mais c'est lui le Might. Parce que ça empêche tout sort d'être cast. On a ça. C'est chaud. Je pense que je veux ça. Mais non, mais c'est vraiment de la merde sur un caster. En fait, faudrait vraiment retirer cette orbe par contre parce que c'est tellement cassé. Tu vois que t'as un Might en face, tu vois que c'est un caster, tu la prends, c'est auto-win. Donc, enfin, c'est pas auto-win, mais bon. Ça déséquilibre totalement la game dès le début, quoi. Bon. Ah, mais non, mais je suis en ouf. Il y a déjà le casque, donc ça sert à rien. Ah, ouais, c'est pas ouf, là, hein, quand même, les trucs qu'on se tape. Ouais, on peut avoir du paysan. Vas-y, on va tenter une game Bow of Sharpshooter. On mettra juste pas l'orbe rouge, on n'est pas obligé d'équiper. Hop, alors. Donc on a Bow. Ok, super. On va go, je pense. Gremlins into Lizard Warrior. Surtout qu'avec le plus de PV, les Gremlins, ils vont être bien tanky. Ouais, vous voyez, c'est plus la même hein, en termes de stats là déjà. Donc on va go, je pense, lézard. Bon, orc, c'est peut-être abusé. Par contre, les ice elemental, c'est clairement pas abusé. Merde. On va go full shooter, je suis mort. Est-ce qu'on pousse le bis jusqu'aux méduses? Non, quand même pas. On va se prendre des vrais trucs là. Bon, on est obligé de se taper un malus, sauf si on prend ça. Je parle de malus de morale. Ça, c'est les plus forts en soi, ou sinon ça. C'est même Kaleo. Comment ça va? Bon. J'hésite entre Pégase croisé. On va se prendre cher au niveau du moral, mais je crois que c'est vraiment inévitable. De toute façon, en plus, on a un LM, donc lui, il prendra pas de pénalité. Ça limite un peu la casse. On veut des troupes assez lentes pour protéger nos shooters, surtout. Des troupes puissantes qui puissent bien cover. Je pense qu'on prend les sorcières, du coup. C'est marrant, en vrai. On peut tenter une game full shooter. J'ai jamais tenté, c'est marrant, en vrai. En vrai, c'est marrant. Et j'aime rire. Hop. Bon, est-ce qu'on prend les cyclopes ou... En vrai, c'est un peu abusé, peut-être, parce qu'on a les Nyx qui sont excellents pour défendre nos troupes. Et ça nous fait pas, du coup, de malus de morale. Ah, mais on est déjà à moins 3! Oh, dommage qu'on ait pas de titan. T'imagines la game de ouf. Ah, on est déjà à moins 3, ouais. Bah, du coup, go... On joue à moins 3. Par contre, on a les pires tier 7 là. Enfin, on va devoir jouer Gold Dragon, je pense. Je me dis clairement, je suis pas prêt. Mais t'inquiète, frérot, c'est. C'est moi qui débite vite à l'oral et tout, tu vois. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde ce template, y a pas de souci. Cinq alignements. Ouais. Vas-y, let's go. Par contre, si on trouve pas Archery, je suis au bout de ma vie. Mais faut qu'on trouve Archery. Phoenix ou Gold Dragon? Gold Dragon, hein, c'est le même nombre, donc clairement, Gold Dragon, c'est mieux. À la limite, peut-être que les hydres seraient mieux pour défendre, mais non, je pense pas quand même. Allez, hop.
6 spell potions, knowledge et wisdom. C'est obligatoire, hein, c'est pas... Ok, ça, ça peut être pas mal. Quoique... Bon, à voir. Magie de l'air, on s'en fout un peu. Magie du feu, ça peut plus clutch, je pense, sur ce template. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh là là, c'est foutu. J'espère qu'il a aussi peu rôle que moi. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est des trucs de résistance. Ouais, sauf qu'il faut un anneau, non? Ah non, il faut un collier. Ah, mais attends. Ah, mais je peux le faire. Ouais, j'avais pas capté. Ok, donc là, on a énormément de chances de résister, hein, par contre. Hein. On a 10%, plus 15%, plus 5%, on a 30%, plus l'arté, on a 50% de chances de résister au spell. Donc c'est quand même assez stylé. Et qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a chopé du sort de feu? Oh, on a aucun sort de feu. J'ai all-in sur le sort de feu, on a ni Armageddon, ni Sacrifice, ni Berserk. Donc là, je pense que celle-là, c'est poubelle. On va tout miser sur un blind, mais on a que 5 d'attaque en jouant une compo shooter. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ma gueule? Je crois que celle-là, les Zamzam, c'est aux oubliettes. Mais bon, on va voir. On va voir, on va voir. On peut pas souffler sur nous, non? Non, on peut pas souffler sur nous, là, c'est... Aïe, 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 aïe. Tu peux tenter un frenzy roulette russe. Mais roulette russe de quoi? On a même pas de morale, frérot, tu vois, genre... En vrai, je peux même pas. Je pense que là, c'est... Voyons ses stats, déjà. Aïe, aïe, aïe. Ah, en plus, il a eu les Sea Dogs. Bon, on veut jouer à distance. Il a pas d'élixir. J'ai la speed prio si je miss morale pas, mais je vois pas ce que je vais en faire. Je vois pas comment je me place là. Si on s'entasse et qu'on se prend un berserk, c'est foutu, mais est-ce que c'est pas notre seule chance de toute façon de nous entasser? Je pense que c'est la seule chance parce qu'on va pas se mentir. À arme égale. On se fait broyer là, on a aucune chance. J'ai que 5 d'attaque, il a 14-15, j'ai 5-14. Il a plus de spell po que moi et j'ai aucun sort qui permet de clutch. Donc, si on tente pas un truc ballsy, on a perdu. Donc là, faut admettre ça. Donc, quelle est notre seule chance? C'est d'espérer qu'il n'ait pas de sort à AOE et que du coup, en s'entassant, on ne se mette pas dans la merde. Et du coup, il n'arrive pas à atteindre nos unités, tu vois. Je pense que c'est ça le mieux. Donc on va se mettre à l'opposé de ces deux troupes lentes et qui vont nous faire trop mal. En vrai, tu vois, il est là, en moyenne, tu vois, c'est ça sa ligne de destruction. Bah, c'est même là, mais bon, c'est surtout ça qui fait peur, je trouve. Donc on va se mettre plutôt là que plutôt là. Et on va essayer d'enfermer nos shooters pour les protéger. C'est le seul espoir qu'on a, je pense. Donc... Là, si on fait ça, on se crache dessus. Si je riposte là, je me crame. On se met comme ça. Il a un one stack qui peut fly, donc il peut se mettre là. Berserk, tu bluffes. Tu crois que je te connais pas ou quoi, Borba? Tu bluffes, frérot. Attends. Là-bas, c'est mieux parce qu'en fait, on a deux trucs pour nous cacher. Bon, je pense que c'est le moins pire qu'on puisse faire. Replace speed prio.
Oh, de ouf, si Berserk, je peux rien jouer. Je peux juste jouer mon LM qui est insensible au Berserk. Ouais, c'est ça, résistance peut-être. Hein. On va tenter. Hein. Tu as de grosses créas à distance. Bah, c'est le but. J'ai pris que de distance avec le Bob Sharpshooter. Oh putain, il va connect. Oh non, il connecte avec tout. Putain. Ouais, oh, il joue avant tout. Oh là là, bon, c'est un carnage. Bah attends, il tire en pleine flèche ou quoi? Parce que là, quand même, 295 Gremlins alors que j'ai le plus de PV. On va juste faire un round de tir, voir ce que ça donne, mais... Oh. Ah oui, non, il tire en pleine flèche, c'est sûr. Parce que là, je pense... Bon, on peut blind un par un ces trucs. On peut juste tenter ça. Non mais si t'es moi je fais... je fais aucun dégât en plus. Bah oui, en même temps j'ai 5 d'attaque et il y a 15 de def, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Bon. On peut juste blind à chaque tour, espérer qu'il ait pas de sort de cure ou de dispel, ce qui n'existe pas. Et Si on a toujours la speed prio... Bah frérot, c'est le but du template hein. C'est de faire du pur RNG, je pense. Faut que je focus, parce que je peux pas blind. Non mais gros. Il y a l'anneau anti-res, mais bon, ça change absolument rien, cette info. N'empêche qu'il n'a pas Berserk, hein. Je savais qu'il bluffait. Hein. Ce gros fou de barba qui croit que je vais le croire là. Tirer une mère dragon qui def ses petits. C'est vrai qu'on fait ce qu'on peut quoi. Le trou là il est pas gênant pardon, parce qu'on a éliminé justement les fées donc elles peuvent plus s'y glisser dans tous les cas. Mais bon. Là je vois pas ce que je fais. Bah je recaste un blind. En vrai on a mis ça hors d'état de nuire. On a tué les fées. Donc il y a ça qu'on peut pas blind, ça qu'on peut pas blind. Ça, ça a très forte chance de pas se faire blind. Ça, ça n'a pas encore joué, donc tège. Il a tiré sur quoi? Sur les sorcières. Bon, là on prend cher. Mais il n'y a pas trop le choix, donc bah voilà. Ouais, bon, là c'est fini. Parce qu'en armée contre armée, si chaque tour je blind et il déblind, ça va être armée contre armée et... Ouais. Merde, je pouvais pas écrire. Hop. GG frérot. Ah, je m'enfuis. Ah, c'est pour ça, tu vois. En fait, quand tu GG, tu peux juste t'enfuir et puis t'admets la défaite comme ça. Non. Hop. 1-1. Aïe, aïe, aïe. Et là, du coup, bah, c'est à moi de dire, on va dire. 0. Coin flip. Bon, pour l'instant, c'est le joueur bleu qui perd à chaque fois. Hein. J'ai pas envie de dire qu'il y a une conspiration, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une conspiration, quoi. Fallait tenter, quoi. J'ai pris une game au grand Lee Jay, celui qui gagne contre Lexiav. Stylé. Du coup, on peut dire que j'ai gagné contre Lexiav totalement. Oh la main même. Vamos. Ciel, ok. Donc caster élémentaliste. Donc c'est des bons casters les LM. Battle Mage, c'est un mauvais caster pour le coup.
Sympatoche. Tipote, mais c'est tout ce qu'il y a ici. Là, on a élixir. Couronne. Enfin. Crown. Bouclier, mais c'est à peu près tout aussi. Enfin, on a une arme au moins. Un petit collier. Ah, c'est vrai qu'en caster, c'est pas si mal. Double élixir, MDR. Tu pouvais pas m'inverser cet élixir et ce casque là? Les artés doublés là, putain. Mais gros, tout est doublé. Attends, Théma. Ça, c'est. En gros, t'as 6 artés super cheatés. Il y en a 2 qui sont doublés, gros. Putain. Bon, j'ai clairement pas envie de d'inhiber les sorts. Ah, frérot. Rip. J'allais te dire que c'est juste rip. Oh, par contre, le collier plus 3 morale, il me fait plaisir, là. 3 morale, 3 luck. Ouh, moins 1 morale, en plus, on lui met. Ah, on va prendre celui-là, il me tente. Après, on a ça, 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 ça. Vas-y, tu sais quoi, je me laisse tenter. Je pense que lui, c'était le mieux avec un Elixir of Life. Elixir of Life, c'est vraiment... monstrueux, mais bon. On est là pour tenter des strats et tout. Ça, en plus, on peut negate les vulnérabilités. Donc, on peut tout miser sur nos sorts à dégâts. Ça peut être marrant. On se met comme ça. Comme ça. On a le Vial of Dragon si on a des dragons. Mais bon, c'est juste plus 5 attaques défense. C'est pas non plus une dinguerie. Après, tu me diras, c'est mieux qu'une orbe d'eau qui ne sert absolument à rien. On verra. Bon, ça va 12-6, mais on a déjà 16 et 11. Ça peut être pas mal en spellpo. Alors, ok, de la merde ou de la merde ou de la merde ou de la merde pour finir sur un choix aussi de merde. Donc, bah, on va prendre de la merde, je pense. Et on va prendre. Attends. Ah, les Alphelins, ils sont pas rang 2, ils sont rang 1. En même temps, ils ont 4 PV. Tu m'étonnes, ils sont pas rang 2, frère. Un petit peu. Un petit peu ivre. Je pense que c'est les hobbits, hein, les moins horribles. Ok, les LMDR, c'est les meilleurs T2. Pas trop de réflexion à avoir, là. Alors. Ils sont pas upgrade, c'est con. Ah, je pense que c'est quand même Corsair. C'est pas ouf, hein, mais... Tom et Orb, c'est un gamble qui se tient. Ouais, on verra si j'aurais dû. Mais ce qu'il y a, c'est que les tomes, tu sais pas à quel point ils vont être utiles parce que tu sais pas si tu vas avoir la magie en question de proposer et si tu auras les spells dans tous les cas dans ta ville, tu vois. Donc c'est moins fort en vrai que sur un duel ou autre. Bon, soit on a Elf, soit on a Corsair, quoi. Soit on a Cerber si on veut jouer en mêlée. Ah mais attends, c'est quoi les sorts de niveau 5? C'est vrai qu'on peut voir un plot. Donc tout ça c'est les sorts de niveau 5 qui existent. Donc il y a les 4 LM, Sacrifice, Magic Mirror et un plot. Ok. Bon. Ils ont pas de pénalité en mêlée, c'est plus polyvalent que les elfes. Le moral qui commence à prendre cher là, mais on n'a pas trop le choix. C'est ça ou les démons, je pense que comme les Pégases sont meilleurs. Par contre, on peut facilement oublier le soufre. Hein. Le soufre, il devrait tellement être à la sortie du portail, parce que là, tu prends le portail, t'as pas pris le soufre, t'es bloqué, on doit refaire la game. Donc, pour moi, c'est un gros défaut de map design. Sorcière... Android Soldier. On a déjà du... Alors on a déjà du Cove aussi. Oui, donc ça ne m'aide pas dans mon choix. On est à plus 1 là. Ok. Ah bah là on va... Si on peut prendre des licornes pour le moral, pour le conserver. Derrière on a les archanges. Ça nous fait pas moins 1. Donc si on prend un Zilote, dans tous les cas on peut. Donc en gros on a le choix entre ça, ça et ça au final. Les zilotes sont quand même très squishy, tout comme les sorcières. Je pense qu'on part sur les dendroïdes.
Bon, là, soit on se tape un moral terrible. Enfin, non, après, les Naga Queen sont quand même très fortes. Et du coup, on peut juste être à 0. On tombe à 0. On prend les Naga Queen. Et là, on a ce qu'on veut. Le. Bah, on va certainement prendre l'archange. Hein, c'est la meilleure unité. Elle nous fait pas passer à moins 1. On passe à 0. Enfin, on reste à 0. Vu qu'ils ont un passif qui nous fait plus 1 moral à toutes nos troupes. Ok. Troupe de 6 alignements. Allez, vamos. Fire, je trouve ça très fort sur ce template. Archery, c'était la game dernière qu'il me le fallait, frérot. Est-ce qu'on prend toutes les magies pour... Est-ce qu'on veut prayer avec notre armée? On veut bénédiction, c'est très fort sur notre armée. Prayer aussi, vas-y. Ouais, bon, par contre, on peut pas tout avoir, gros. Terre, je trouve, c'est un peu moins fort. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le summon RCLM quand même. Implosion bénéficie pas tant que ça de magie de la terre ou non. Donc, pas besoin vraiment de magie de la terre, c'est pas ma priorité. On peut passer à plus 3 morale. Après, on a une troupe qui bénéficie pas de morale, mais si, même, je pense que ça vaut le coup. Intelligence, je pense que c'est un gros bait à ne pas prendre. Ok, Air ou Earth? Je pense que c'est quand même Earth. Je pense que Air, c'est la moins forte. Sauf si on a hâte, quoi. C'est vrai que. Mais du coup. Tu peux dire à l'inverse que t'as slow après. Donc on max Earth et après, ok, on trouve Luck, mais on est déjà à plus 3. Mais bon, des fois qu'ils nous le réduisent, c'est mieux qu'un first aid. Hop, alors, Implo, slow, hâte, berserk, anti-magie. C'est vrai qu'il y a anti-magie aussi sur ce template, faut pas l'oublier, c'est un sort extrêmement important. Blind, j'ai vu pas mal de trucs qui m'ont bien plu. Alors ça permet de negate toutes les immunités à la magie qu'il y a. Je n'ai aucune immunité à la magie sauf ça à Meteor Shower, mais on s'en fout un peu. Donc je pense que je vais le prendre pour tenter un Berserk de Zinzin. Parce que du coup je peux Berserk tout. Does not affect the limitation of applicable status. Artifact, ouais, ok. Ok. On prend ça, il me reste 10 secondes. On se croirait sur duel, MDR. Ok, c'est even au niveau des stats. Sauf de power, j'ai beaucoup plus de power. Il a tactique. Je vais avoir la speed prio à coup sûr parce que j'ai. Oh, j'ai plus 3 morale. Pourquoi j'ai plus 3 morale? Mais j'étais à 1. J'étais à 0. Il a moins 3, meskin. Oh, j'ai 3 morale, 3 luck. Il a moins 3, moins 2. Oh, le pauvre. Ça va ruiner la game, c'est sûr. Il fait le même pari que moi. Oh le gamin! Ok bon. Et ça on peut? Ça on peut. Oh! Mais du coup je peux blind ces titans? Oh! Je peux blind même ces golems, ça fait tellement bizarre! Donc là on a que les sorts de niveau 1 à 2. Donc on peut mass slow ou mass shield. On a la speed prio, donc on peut full weight. Et en dernier, on lui met un double cast et on lui rentre dedans. Genre un slow shield ou shield. Ouais, tu vois, moi je suis contre les artefacts en gros qui limitent la magie. Que ce soit la cape du silence, la recounter cloak ou l'orbe qui empêche la magie globalement. Pour moi, c'est totalement de l'anti-jeu parce qu'en fait, ça limite énormément le playstyle et du coup, c'est plus marrant en fait. Parce que tu n'as plus aucune surprise, c'est juste qu'il y a la plus grosse armée. Donc, c'est pas marrant en fait. Autant juste faire un pile ou face et tu vois qui gagne le pile ou face quoi. Le club de vulnérabilité, c'est vraiment super fort. Ouais, c'est pas mal. Du coup, je peux esquiver son tour de titan. Non, pas forcément parce qu'il peut les cure derrière. C'est pour ça en fait, c'est pas forcément le mieux de. On peut wait. Parce qu'il y a peut-être magie de l'eau, tu vois. Donc il peut peut-être se double dispel si je double blind. Donc là, la magie, ça va juste être pour les buffs et les sorts de contrôle, quoi. Sinon, je peux slow et je lui rentre dedans avec tout, mais non.
peut faire ça à la fin du tour justement. On est even hein, en termes de stats physiques, on va se taper autant. J'ai juste un point d'attaque de plus qu'une autre défense, mais bon, sinon c'est égalité parfaite. J'ai un tout petit peu plus de mana, mais ça va vraiment pas avoir d'importance. Et le spell power n'a pas non plus d'importance. C'est une bataille super équilibrée. C'est super équilibré. Ok, il choisit de mass haste, donc a priori il devrait me rentrer dedans. Ah, ouais, bah voilà, c'est vrai qu'il y a aussi ça. J'ai plus 3 morale, il a moins 3, j'avais oublié. C'est quoi cette vitesse là d'animation? Ils sont téléportés les trucs. Par contre il m'a one shot. Il a eu du mauvais moral sur ses lézards. Et il a eu bad luck quand il m'a tapé avec ses ice elemental. Ok. Donc là il a déjà fait son spell ce tour-ci. Donc je peux le slow. Maintenant. Ou sinon je blesse. Parce que dans tous les cas prochain tour j'ai comme limite même avec son hat. Donc je peux slow simplement au prochain tour. Donc là on blesse. On va les régler avec ça après qu'on tire avec eux. Ah mais j'ai pas encore slow, je suis con. Oh non, j'ai mis spay. Putain, ils ont pas encore joué ces deux-là. Ah putain. Mais dans tous les cas, il me reach mes archanges, donc c'est pas une erreur. Mais j'aurais peut-être du slow du coup plutôt que bless. Oh non, là par contre, je suis un con. Bon bah là, je mérite de perdre, frère. Je me suis empêché de tirer, de toucher. Bon. Bon. My bad. Putain. Merde. J'ai misplay. J'ai mal réfléchi. J'ai cru qu'ils avaient déjà joué, mais non. Dans ma tête, j'ai cru que j'avais slow alors que j'avais pas slow et inversement, bref, je me suis mindfuck tout seul, quoi, on peut dire. Il va me taper dans les Pégas si je tape là-dedans. Est-ce que ça vaut le coup pour moi? Je pense que ouais. Genre de taper là, je veux dire. Dans tous les cas, ils vont taper ces Naga. Donc autant que moi je tape. Bon bah l'intérêt d'avoir luck et moral, quoi. La violence du bail que je viens de faire. On empêche de le shooter. Il peut pas les one shot. Ouais, bless, ça fait quand même une différence de ouf. Hein. Que ce soit Pégase, que ce soit. Les RLM qui ont deux fois plus de PV que mes lézards, c'est ouf, c'est trop. Bah, surtout qu'il tape du 8, il tape du 9 sous bénédiction, quoi. Hop, alors. Je pense qu'on va taper dans l'acier. On voit qu'on en tue pas mal. Et on rejoue un tour complet là. Et là faut qu'on le découpe. Bah ce qui a assez... Franchement pour moi ce qui fait l'énorme différence c'est le moral et la luck. Ne serait-ce que ce qui s'est passé avec mes Pégas sur ces génies. Genre il m'a mis aucun dégât et je l'ai one shot. C'était avec moral luck. J'ai eu luck, il a eu miss luck, j'ai eu moral. Silver Pegasi a immune to résurrection. Ah, ça doit être à cause de la cape. Ok, je peux reach avec elle. Lui, il pourra reach que les golems. Donc, dans tous les cas, lui, il va les régler. Ah, mais non, mais il y a eux aussi à régler en haut. Donc, vas-y, toi, reste sur les golems, ma gueule. Tu dis out celle-là, frère? En vrai, je comprends. Hein. C'est vrai qu'il est ultra derrière là maintenant. Mais bon. Ah oui, non, mais d'accord, les dégâts. Ah oui, ouais, ouais. Effectivement. Ouais. Bon, bah, du coup, c'est. GG les Zamzam. Ben, c'était la première rencontre du tournoi. Ah, vous avez vu, c'est... Bah, bravo, là, en vrai, tu vois, j'ai bien misplay quand même. J'ai empêché mes élémentaires d'air de reach ces centaures en haut comme un couillon avec mes dendroïdes. Mais vraiment comme un con, quoi.
Donc ça, je m'en veux un petit peu parce que du coup, j'ai l'impression que je mérite pas la victoire, tu vois. Mais bon. Merci pour mon argent. C'est un poil frustrant parce qu'il n'y a pas eu une vraie partie. En fait, pour moi, la troisième, c'était la plus équilibrée. Mais comme je disais, ouais, t'étais pas là, t'avais pas le son, Barba. Pour moi, ce qui a déséquilibré de ouf, c'était que t'avais moins 3 morale, moins 2 luck. Et moi, j'avais plus 3 morale, plus 3 luck. Mais si on était tous les deux à 0-0, c'était even pour moi. C'était vraiment even de ouf. Parce qu'en gros, j'avais juste plus de spell power que toi. Mais ta cape empêchait de faire les sorts à dégâts dans tous les cas. Les sorts de niveau 3 ou plus. Or, ton spell power ne sert que aux sorts à dégâts. Parce qu'en vrai, avoir 10 ou 20, ça change rien dans la mesure où ton blind, s'il dure 10 tours, dans 10 tours, la game elle est finie dans tous les cas, tu vois.